Hello, je suis ici dans ma salle de danse à Bruxelles où je donne les cours de danse orientale et danse tabi. Et donc aujourd'hui, pour ce deuxième exercice, pour augmenter ton taux vibratoire, quelque chose qui est très simple à faire et magnifique à faire, je t'invite à mettre une musique qui t'évoque la fluidité. Je vais te mettre un exemple en dessous, ce que nous avons utilisé aujourd'hui. Nous avons travaillé sur la fluidité. Et tu as besoin d'un foulard, n'importe quel foulard en soie, quelque chose, un truc léger. Honnêtement dit, je l'ai déjà fait dans la cuisine avec un torchon de cuisine. Hein, donc c'est faisable. Tu mets une chouette musique. Et ce que tu fais après pour augmenter ton taux vibratoire, très 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 simple, tu prends ce foulard et tu fais des 8 avec ce foulard. Ah, je vais un peu plus loin. Voilà, tu fais des 8. Et donc, tu vas aller avec ton corps, accompagner les 8. Tu peux faire les 8 comme ça, les 8 comme ça. Tu fais les 8. Et en faisant des 8, donc le 8, c'est aussi le signe de l'infini, de la fluidité. Tu laisses tout ton corps aller avec ce 8. Et tu vas donc te dire des choses du genre. Comme si je suis fluide, je suis dans la fluidité, je suis le ruisseau, je suis la mer, je suis un dauphin, tout ce que tu as envie de te dire. Et tu pratiques ça jusqu'à ce que tu sentes quelque chose devenir complètement fluide. Et en faisant ça, et bien très simplement, tu augmentes ton taux vibratoire parce que tu vas avoir ce sourire sur les lèvres. Je t'invite à faire ça. Et alors, ce que je t'invite aussi à faire ça, c'est de partager ici, en dessous de ce poste, les musiques ou la musique que toi tu as choisie pour cet exercice de fluidité, hein, de augmenter ton taux vibratoire. Et alors, si tu as le courage, bah, fais-nous une vidéo, simplement comme je fais ici, hein, et tu nous mets ta musique. Et tu fais ça et tu nous dis les mots que tu te dis à ce moment-là. Et si tu ne veux pas faire une vidéo, bah, fais peut-être une photo du foulard que tu utilises ou peut-être à part la musique, je sais pas moi, tu as d'autres idées pour faire quelque chose de cet ordre ou un 8 magique que tu trouves en image quelque part. Donc voilà, je t'invite à partager parce que c'est l'interaction qui va faire en sorte qu'on va sentir ce potentiel et cette puissance et cette vibration de notre sororité ici. Donc, j'ai besoin de toi. Nous avons tous besoin de toi pour aller nous faire partager avec nous ton vécu avec ça. Mets la musique ici en dessous, chouette musique, et alors fais-nous l'honneur d'une vidéo ou d'une photo et je t'attends dans le groupe pour partager. Merci et bonne journée. On se voit ce soir pour le webinaire à 21h. Le webinaire, j'ai envoyé un email, c'est sur Zoom cette fois-ci, je le stream dans le groupe, mais c'est un webinaire qui parle sur la confiance en soi. Et absolument, à peu près rien dans la vie est possible si on n'a pas confiance en soi-même. Et je le mélange ou j'introduis l'élément du féminin sacré là-dedans pour que tu puisses bien comprendre la place primordial du féminin sacré dans la confiance en soi. C'est magique, c'est magnifique. J'espère que tu vas pouvoir venir et qu'on va pouvoir avoir un workshop interactif parce que je ne vais pas juste m'asseoir et parler. C'est interactif. Je te fais faire des exercices d'ailleurs. Bonne journée.